Voilà, bonjour mes petites merguez, nous voici ici sur la place des Palais pour le défilé militaire du 21 juillet 2021. Voilà, je vais vous filmer tous le défilé. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà, vous voyez derrière moi les tribunes, la tribune royale. Derrière moi. Voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà, bonne vidéo à tous et à tout à l'heure à la fin du défilé. Thank you.
Thank you.
notre Eric Gaston. Nous allons à présent débuter la partie civile de cette cérémonie de la fête nationale qui prendra cette année une tournure toute particulière. Nous voulons mettre à l'honneur nos héros, toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour eux-mêmes ou pour les autres. Celles et ceux qui ont donné toute leur énergie pour lutter contre les intempéries et contre la pandémie. Onze eerste gedachten gaan vanzelfsprekend uit naar de slachtoffers van de overstromingen van vorige week. We willen hulde brengen aan de overledenen, maar ook aan allen die naasten een huis, een zaak en vele herinneringen hebben verloren. Zij die vandaag nog steeds in de weer zijn met opruimen, schoonmaken en helpen. Nous tenons aussi à mettre à l'honneur l'incroyable solidarité qui a spontanément été mise en place pour aider les personnes sinistrées. Ces citoyennes et citoyens qui ont proposé un coup de main, du réconfort, un dos, un toit, des vêtements, des denrées alimentaires. Nous pensons à ces héros solidaires actuellement encore occupés sur le terrain à penser les blessés par cette catastrophe et à chercher les proches. Mit dieser Zivilparade natürlich wir auch den Helden der Rettungs- und Polizeidienste, mais également des pompiers de la protection civile et de l'armée qui sont venus en aide aux victimes des inondations, parfois au péril de leur propre vie. De beperkte aanwezigheid van de hulpdiensten en hun voertuigen zal symbolisch zijn. Het is evident dat de meesten onder hen zich onvermoeibaar blijven inzetten op het terrein. Hetzelfde geldt voor de symbolische aanwezigheid van buitenlandse voertuigen uit de landen die ook zwaar getroffen zijn. Zoals we hebben gezien staat deze ruimte solidariteit en wederzijdse hulp tussen landen met beschikbare middelen niet in de weg. Vandaag gaat ons medeleven ook uit naar de andere landen die zwaar getroffen zijn, zoals Nederland, Luxemburg en Duitsland, waar de menselijke toon zonder hoog is. Nous voulons bien sûr également mettre à l'honneur dans la partie civile de la cérémonie les héros de la COVID et exprimer notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui se sont démarqués dans la lutte contre la pandémie. Nous rendons un hommage particulier aux personnes qui se sont distinguées dans quatre domaines spécifiques, la jeunesse et l'enseignement, la vaccination, les soins et la santé, et enfin, la logistique. Al deze helden zullen worden geëerd tijdens het burgerlijke défilé zelf, maar ook aan de hand van videogetuigenissen, muzikale performances en poëzie, live vanuit buitengewone en symbolische plaatsen in Brussel en in Godin, Beringen, Lessie en Zaventem. Ik wens u veel kijkgenoot. Thank you.
indommelt op de melodie van nietszeggende stemmen. Binnen is het nooit stil. Een balustrade met balken zo breed als kinderarmen houdt stormen van zorgen tegen. We willen praten over de onderhuidse wonden die al helend een verhaal vertellen. Over de onzekerheden die geen nomaden meer zijn, maar zich als een nederzetting in je lijf nesten. Wanneer al wat vanzelfsprekend was, wordt ingekleurd door waterwerende waskons. Zodat herinneringen ongedeerd verder kunnen leven. Ze schapen ons tot de mensen die we willen zijn, sterk, empathisch, zelfzeker. En wanneer de werking van de tijd verslapt, verlangend naar een tijd dat zich zal keren, dan willen we veilig zijn. Onder de warme lakens die als liefdesliedjes troostend en herkenbaar zijn. Maar ook wanneer een raadsel onze vastgeroeste veilige havens inrolt, zonder ons in haar diepte te laten kijken. Geen helderheid, veel vragen en onze naasten bedreigend. Wanneer tegenslag in onze gezichten klapt, ons de adem ontneemt, dan willen we onvoorwaardelijke zorg en hoop om te blijven proberen. Je ziet, we willen allemaal hetzelfde. En omdat we hetzelfde willen, zullen we altijd onze armen in elkaar slaan als veters, links en rechts een lus en daar dan rondgedraaid. Zullen we onze tranen lossen, om verdringing te voorkomen. Onze energie schenken als laatste warmtebron. Zullen we ons inzetten om later te zweven op hoogtes die je onmogelijk met je ogen meten kan. En onze stem, die zullen we gebruiken. Om zalvend elke zeer te behandelen. Onze ruggengraat, om als atlas onze eigen wereld te dragen. Onze handen, om vast te grijpen, zonder angst om los te laten. En onze harten als onbewolkte spiegel om begripvol met elkaar om te gaan. Mijn laatste woorden zou ik met eerbied willen opdragen aan zij die getroffen werden door de overstromingen. En aan iedereen die hen met volle overgave heeft gesteund, geholpen en gedragen. Solidariteit overstijgt verdeeldheid en dat hebben jullie bewezen. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Ce n'est pas de moi, c'est d'Albert Camus. Et je voudrais y répondre aujourd'hui. Cher monsieur, le monde s'est défait. Vous avez fait de votre mieux, merci. Désormais, je crois, la mission de ma génération sera d'empêcher que le monde ne se refasse tel qu'il a été. Ne vous méprenez pas, à l'inverse du passé, nous ne nous croyons voués à rien de particulier. Nous n'avons ni force surhumaine, ni espérance indéfectible. Ma génération n'est pas de celle des héros, comme elle a pu l'être dans l'Antiquité d'Homère. Elle n'est composée que d'hommes et de femmes normaux. Mais qu'y a-t-il, monsieur, de plus courageux qu'une simple personne se battant comme Hercule? Nous ne sommes pas des héros. Et pourtant, chaque jour, nous devons accomplir et nous accomplissons des actes héroïques. C'est cela la beauté de notre temps. Et c'est cela que je voudrais souligner aujourd'hui. Pour le corps médical qui ferait rougir votre rieux, pour les travailleurs qui chaque matin poussent leurs rochers, pour les activistes climatiques plus justes encore que vos justes, pour les enseignants trouvant du sens à l'absurde de notre époque, pour la culture qui même dans la chute continue de danser, et pour les jeunes. Les jeunes qui défendent un monde qui leur est encore étranger. Pour tous les oubliés, les silencieux, les humbles et les discrets. Pour tous ceux qui veillent, protègent, instruisent, grandissent, portent et espèrent. Pour ceux qui sauvent et qui sans avoir rien ont su tout donner. Le monde s'est défait et nous empêcherons qu'il se refasse. Vivement, vivement les retrouvailles. Et puis ce n'était pas prévu, mais je tiens à ajouter un mot pour toutes les victimes et un silence pour tous les disparus de cette terrible catastrophe que nous vivons. Je salue les services de secours d'ici et d'ailleurs, bien sûr,
les amis, les voisins, les inconnus qui se sont mobilisés. Preuve, une fois encore, que la Belgique est un bien petit pays, certes, mais habité d'un très grand peuple. Peu importe la langue, la culture, la région, l'accent, la couleur, un seul deuil, une seule et même larme.
Monsieur, madame, aujourd'hui, je te dis tout. Je préfère parler en tu, car je n'ai pas le vous. Je trouve que ça vieillit. Moi, je veux rester petit. Un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout sur le drame que je vis. Au quotidien, on en fait, voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, évader loin de tout. De ce monde de fou et partir, je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase, me brûle, me détruit. En fait, je devrais tomber dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laissez-moi courir loin, laissant ce monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'il dise comment je pars, sans lui faire le tort, qu'il me transforme en ce que le médecin m'appelle fou. Et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors cher Monsieur, aide-moi, aime-moi. Moi je n'y arrive pas. Dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte, où l'on n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien que querelle et dispute. Je voudrais m'écrire un monde, une planète rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirais moi. Un renouveau sans chaîne, dépourvu de. Que j'aime en ta création, l'homme qui te réveille chaque nuit comme l'homme. Qu'on soit vieux, jeune, vilain, gentil ou encore moche, on a le droit de rêver sans même rien dans les poches. Mendiant, j'implore le soir, je m'en dis de l'espoir. Mais la nuit ragine, madame garde sa morphine parce que j'ai pas payé, du moins pas assez. Mes parents sans fortune, elles me refusent la lutte. Puisque certes dans ce monde, on peut vivre sans ces nombres que tes enfants ont transformés en méchants monstres. Chaque mois tu en gagnes, chaque jour tu en perds. L'addition est sévère, je rends la note, je quitte l'enfer. C'est vrai, je m'avoue t'es vaincu, je l'amour, je l'assure. Car moi je ne sais plus qui je suis.
côté, tu perds mon ambition est grande. Tu rêves satisfaire mon bonheur à le coup d'une charme. Alors monsieur madame, j'avoue je suis malheureux. Et pourtant je vis de mon rêve de morveux. Mais c'est plus fort que moi, il me manque encore ça. Ça et ça ne va toujours plus, je suis comme ça. Alors j'espère qu'un jour je pourrai faire l'amour à une personne sincère qui ne me jouera pas tour. J'en ai vraiment assez de donner sans retour. Je suis saoulé de m'aimer moi sans l'absor, c'est lourd. Mais sachez tout de même que ce serait grâce à vous. J'ai l'impression d'être loin de ce monde de vous. Car j'écris quand je me plante et je ris quand je chante et je ris quand je danse. Et pour tout ça je te dis merci. Par les inondations et je vous envoie nous plein d'espoir pour espérer pouvoir sortir de cette période assez rapidement qui devient longue, mais perso j'y crois. Voilà, je pense qu'il faut qu'on reste fort et ça va le faire. Merci beaucoup encore à tous et très bonne fête nationale. Cette crise, j'espère, dans quelques mois.
Ik zie de toekomst echt rooskleurig. Ik zie opnieuw volle zalen voor me. Ik zie mensen die dansen, die lachen. Ik ben Tim, ik ben technisch directeur van een concertzaal en nu zijn wij in het vaccinatiecentrum. Voor ons was het wel schrikken. We zijn van volle zalen naar lege zalen gaan in de loop van tijd. Gelukkig zijn we dankzij de overheid kunnen omschakelen naar een deel van de oplossing. We zijn nu een vaccinatiecentrum gaan doen. Ik doe het om te helpen. Ik doe het om samen naar de toekomst te gaan. Terug onze vrijheden te kunnen omarmen. En eigenlijk samen terug, ja, samen kunnen zijn. Ron heeft mij geleerd eigenlijk dat we terug gaan samenleven. We moeten zorgen voor elkaar. Dat we moeten tijd maken voor elkaar. En genieten van de kleine dingen. Een boodschap aan de helden die het vaccin uitgedacht hebben. Is wat een fantastische job. Geweldig gedaan. Un message donc pour tous mes collègues de la Croix-Rouge, c'est un grand merci chaleureux pour tous les moments qu'on a pu passer, donc vraiment des moments très forts, des moments très sincères, un grand 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 merci. Mijn boodschap voor alle Belgen is wees er voor elkaar en vooral zorg voor elkaar.
alle mensen uit de vaccinatiecentra, mensen die daar geholpen hebben. En ook voor de slachtoffers van de watersnoodramp. En de mensen die ook daar hulp bieden. Courage to them. Zwischen den verschiedenen Diensten, aber auch die Bevölkerung, die uns sehr stark unterstützt hat. Ich bin Mark Frank, ich bin Hausarzt in Eupen und auch Präsident vom Ärztekreis. Das Eupener Krankenhaus hat ein Crowdfunding organisiert, wo die Bevölkerung den Kauf von einer Maschine, einem Roboter, der Analysen durchführt für serologische Tests im Labor des Krankenhauses. Ich war eigentlich positiv überrascht, dass alle sich so stark investierten. Mijn dochtertje was eerst 1 jaar geworden, de eerste lockdown, de crash was volledig toe. Iedereen was thuis, ik heb superveel quality time met mijn vrouw en mijn eerste kindje kunnen doorbrengen. Ik ben Brad, twee mannen Brad hier. De grootste impact van de corona op mijn job was het ontsmetten, het continu blijven ontsmetten van al het materiaal, de voertuigen en de kazerne zelf ook. Onderweg ook moesten we continu volledig ingepakt zijn in tv pakken en spatbrillen, maskers, alles erop en eraan. Je hebt geen contact meer met de mensen en het is ook veel vermoeiender en zwaarder om te werken. De echte corona-helden voor mij zijn de mensen van de zorg uit de eerste lijn, de verplegers op spoed, de dokters op spoed, alle verplegers en dokters bij intensieve zorg. En vooral op de politiemensen, want wij worden graag gezien als we ergens toe komen, maar zij meestal net iets minder en zij hebben nog net iets harder te verduren dan ons. Mijn boodschap aan alle Belgen, geniet van de zomer op een veilige manier. Ich würde an alle Belgier sagen, dass Solidarität extrem wichtig ist und nur zusammen können wir eine solche Krise bekämpfen. Mein Botschaft für alle Belgier soll sein, zusammen sind wir stark.
laten we het hier niet uitkomen. Als hij steeds bij haar was, dan moet hij meer doen. Encore de la solidarité.
on peut dire que c'est un été de semi-liberté. Mais je pense qu'on y est proche, en tout cas j'espère. Ik vind het fijn die vandaag echt naar buiten komen, op de fiets zitten en bij de mensen komen en er geen lach zijn. Ik ben Pedro en ik werk al 14 jaar bij Gipo. Coronacrisis verandert veel. Ik moet veel meer pakken leren. De mensen waren heel blij. Op die moeilijke moment, elke dag, die post brengt de pakken bij hun, veel complimenten gegeven, veel content. En eigenlijk toch per dag iemand komt, goeiedag zeggen. Voor mij, coronahelden zijn mijn collega's die in moeilijke periode blijven alle pakken en brieven uitleveren bij de mensen. Ici à l'aéroport de Liège, nous avons reçu plus d'un milliard de masques de protection individuelle qui étaient vraiment à destination vraiment de toute l'Europe. Je m'appelle Isabelle Kelzer et je suis douanière à l'aéroport de Liège. Au niveau de la douane, nous devons en fait faire en sorte que les marchandises arrivent rapidement, mais dans un autre sens, nous devions aussi contrôler ces marchandises car nous devions aussi nous assurer qu'elles étaient conformes. Mon travail a également changé parce qu'avec l'arrivée de tous ces colis de vente en ligne, mais également tous ces colis de masques qui arrivaient ici à l'aéroport, on a dû se réorganiser au niveau du travail et je suis venue travailler en nuit pour faire les contrôles. Je trouve que c'est important de se faire vacciner, surtout pour protéger les autres, pour se protéger soi bien sûr aussi, et peut-être un peu pour pouvoir partir en vacances. Positief. Tous les Belges, j'ai envie de faire passer le message suivant, tous ensemble, on y arrivera. Thank you.
Dank u wel. Het is natuurlijk een beetje een sombere feestdag. Want met wat er allemaal gebeurd is. Maar we hopen toch dat muziek een beetje de pijn en leed kan verzachten. Want ik denk dat het van levensbelang is dat we allemaal zorg dragen voor elkaar. En daar hebben jullie allemaal aan meegeholpen. Dus nogmaals, dikke merci hiervoor. Oh shit, wie is hier? Wie is hier? Hier is die chick die jij niet ziet. Whisky hier voor die ultieme G. Japanse shit, ja maar ze kunnen. Ja maar wacht, ja maar kijk. Dan ben je in the place to be. Dit is bier met wijn en bier. Hier is spoken van die gekke cheeks. Dit is token tot je niest. Hier is spoken is een gekke G. Alleen klassieker zou lijst op mien. Luister toe wat je die brieven spiers. Ze praten boos van ze pushen niks. Papa zet je op een couple bricks. Blablacar, direction Paris. De helft uit Brussel, die fantasie. Dit is voor mijn stad waar ik aan haar. Dit is Brussel, sta ik niet elkaar. Doe wat ik wil en ik hou van haar. Samen brak, sta ik altijd klaar. Hey, yo, Romeo.
Marokko. Marokko, waar tu vas? Alles goed? Kijk, het is geen normale 21ste juni. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en iedereen die altijd klaarstaat voor al de rest uit de nood te helpen. Dus laat ons toch iets mooi maken van deze nationale feestdag. Yes.
Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir assisté à cette cérémonie. Veuillez rester à votre place jusqu'au départ de Leur Majesté le Roi et la Reine et attendre le signal des agents du protocole pour quitter la tribune. Nous vous invitons à remettre votre masque dès maintenant et à le garder durant vos déplacements. Merci beaucoup. Dames en heren, wij danken u om deze ceremonie te hebben bijgewoond. Mogen we u vragen om de plaats te blijven tot het vertrek van Hunne Majesteit de Koning en de Koningin en te wachten op het signaal van de agenten van het protocol om de tribune te verlaten. Gelieve vanaf nu uw masker op te zetten en aan te houden tijdens uw verplaatsingen. Hartelijk dank.
Voilà mes petites merguez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao, bye bye, merci, peace. À très bientôt. Voilà.